Et pour aller plus loin sur ce sujet, le docteur Laurent Carligne est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc médecin urgentiste à Ajaccio. On vient de l'entendre, on vient de le voir dans ce reportage, les masques à Bonifacio sont donc obligatoires en centre-ville. On entend pourtant souvent qu'il y a peut-être moins de risques dehors, en plein air, d'être contracté. Est-ce que ce genre de mesure est utile ? Oh bah écoutez, déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est une mesure qui a déjà été prise dans d'autres villes de France et qui finalement peut-être intervient un peu tardivement au moment où on constate une augmentation sur le territoire national du nombre de cas, et y compris aussi du nombre d'entrées en réanimation. Et puis certainement qui fait aussi écho à l'inquiétude que nous avions manifestée, personnel soignant, il y a maintenant 2 mois, avec cette volonté de tester l'ensemble et des résidents et des passagers. Donc c'est utile en lieu clos, on le sait. Il faudrait aussi donc peut-être le rendre obligatoire partout, c'est ce que vous dites, en extérieur ? En lieu clos, la question ne se pose même pas, parce que par définition on est confiné, on sait que le risque est beaucoup plus important. À l'extérieur, je pense que c'est une décision qui doit s'inscrire dans une démarche logique, c'est-à-dire qu'on met son masque à l'extérieur quand les mesures de distanciation ne sont pas possibles, ne sont pas réalisables, et qui effectivement doivent être généralisées à l'ensemble du territoire national de toute manière. Et en Corse particulièrement, vous pensez qu'il faudrait que d'autres communes prennent ce genre d'arrêté, peut-être les communes où il y a plus de fréquentation touristique, Ajaccio, La Balagne, Porto Vecchio? Oui, je pense que malheureusement, on va y arriver tranquillement, certainement peut-être d'ici la rentrée, d'une part parce qu'on a forcément envie d'éviter un reconfinement généralisé, qu'on n'a pas beaucoup d'outils à disposition pour éviter ce reconfinement généralisé, mis à part le masque, qui pour l'instant est le seul moyen presque infaillible de ne pas contracter la maladie. Et puis je pense que pour la mesure soit la plus claire et la plus entendue de tous, il faut qu'elle soit uniformisée, généralisée à l'ensemble du territoire. Laurent Carligne, vous restez avec nous puisqu'on va maintenant parler des tests sérologiques au Covid-19, non pas sérologiques, PCR au Covid-19. Après Porto Vecchio et Ajaccio, l'Agence régionale de la santé poursuit sa campagne massive de dépistage. Depuis ce matin, il est possible sur rendez-vous de se faire tester à Bastia où 300 personnes sont inscrites, mais parmi elles, énormément de locaux et très peu de touristes. Reportage de Charles Bert et de Lisa Massineras. Le prélèvement ne dure que quelques secondes. Génial. Et n'est pas franchement très agréable. C'est dur. Allez, sur rendez-vous, les Bastiais défilent tour à tour sur ce parking. Ce sont principalement des personnes âgées, comme ce couple. On est âgés, on a 80 ans chacun. Les cartes. Eh ben, c'est notre rôle de venir, quoi, disons. Vous allez monter jusqu'au niveau de ma collègue et ce sera bon. Ce test PCR est désormais gratuit, sans ordonnance, et est surtout accessible à tous, même ceux sans symptômes. Je sais très bien que le résultat de ce qui a été fait aujourd'hui sera valable aujourd'hui et demain, tout est remis en question à chaque instant. Mais bon, ce serait déjà un soulagement de savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Alors ces tests PCR ont-ils réellement un intérêt ? Sur l'île, le taux de reproduction du virus est en effet très faible, bien plus faible que dans d'autres régions. Mais voilà, avec les va-et-vient de l'été, le risque de contamination augmente. On sait qu'il va y avoir de l'importation, hein, de cas de coronavirus en Corse du fait de l'arrivée de touristes, voilà, et puis d'un petit relâchement aussi dans les mesures de précaution, hein, on peut dire. Donc c'est vrai qu'il faut, enfin voilà, il faut continuer à dépister, il faut absolument identifier ces cas-là pour les isoler. Être isolé en vacances, le cauchemar qu'aimerait éviter cette maman et son fils. Ces Corses préfèrent se faire dépister avant de prendre le large. Pierre lui rentre de vacances sur le continent, on va partir aussi dans l'est de la France, donc on s'est dit que c'était l'occasion pour les grands-parents de se faire tester et de voir que tout va bien. La campagne de dépistage se poursuit ces prochaines semaines à Propriano, Corté et en Balagne. Alors Laurent Carligny, on vient de le voir, quasiment pas touristes pour se faire tester, pratiquement que des locaux, des Bastiais. Est-ce qu'il est quand même utile de continuer ce genre de campagne de dépistage quand on sait que donc une partie de la population ne participe pas? Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, c'est utile dans un certain sens, puisque pour nous, médecins, si on veut au préalable traiter une pathologie, il faut l'avoir diagnostiquée. Et à ce jour, le seul moyen de diagnostiquer le coronavirus, c'est d'établir effectivement cette fameuse PCR. Après, ce que vous disiez, ça fait encore une fois écho à la proposition qui avait été faite de Green Pass ou de passeport sanitaire, immunitaire. Et on se rend compte que lorsqu'on ne rend pas les choses obligatoires, elles ne sont pas faites. Vous pensez toujours aujourd'hui que c'était la bonne solution, le Green Pass proposé par la collectivité de Corse? Je pense que c'était une bonne solution, parce qu'on en arrive à rendre le port du masque obligatoire. Et c'est une conséquence, à mon avis, indirecte de cette non-décision de Green Pass ou de passeport sanitaire, peu importe. Et puis parce qu'on voit que la France est en train de mettre cette mesure pour 14 ou 15 pays. Donc finalement, on avait vu juste. Alors parallèlement à ça, le Conseil national scientifique alerte sur la venue d'une potentielle seconde vague sur le territoire. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? La Corse semble pourtant
assez épargné par rapport à d'autres régions. Vous allez le voir s'afficher. Aujourd'hui, il y a eu 9 cas sur pratiquement 600 prélèvements. Il n'y a eu aucun décès, aucune nouvelle hospitalisation depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a une seconde vague qui arrive en Corse ou pas? C'est difficile de prévoir l'imprévisible. Voilà, on a vu avec le coronavirus que toutes les statistiques ont été déjouées, qu'il était impossible de faire des pronostics, de faire des prévisions. Ce qui est certain, c'est qu'il faut considérer le risque comme étant maximal de partout, peu importe où on se trouve en France, qu'il faut adopter ces gestes barrières encore une fois et ce port du masque parce qu'il n'y a pas plusieurs solutions pour ne pas contracter la maladie et que c'est difficile d'établir des prévisions. La rentrée approche, on voit que plus les jours passent, plus les cas augmentent, donc il faut rester plus que jamais prudent. Et on rappelle donc cette information, 51 cas de coronavirus ont été détectés sur l'île depuis le 1er juillet. Merci Laurent Carline d'avoir été notre invité dans le Corsi Gazer.